toi, tu es mon intemporel. Et l'avantage d'être intemporel, c'est que le temps n'a pas de prise sur toi et que du coup, on traverse les épreuves de manière toute douce parce qu'on ne se pose pas de questions. Ouais. Et toutes les épreuves d'ailleurs. Et toutes les épreuves. Les mauvaises comme les bonnes. Enfin, voilà. Les mauvaises sont passées. Hein. Oui, on est tranquille. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 53 ans et j'habite à Vélizy. Bonjour, moi c'est Rem, 54 ans. Fin 2015, on me diagnostique un cancer du testicule. Grosse surprise, et il faut enchaîner. Je me suis dit qu'il fallait partir au combat et que de toute façon il guérirait. Anne a été beaucoup plus patiente que moi, c'était un soutien énorme. Parce que sans elle, je ne serais sûrement pas là, en fait. Si, t'aurais été là quand même. En fait, il a toutes les qualités. C'est quelqu'un de profondément gentil, attentionné, posé, calme, qui me chouchoute, qui prend soin de moi, qui m'aime, et voilà. Donc il a toutes les qualités. Je suis devenu aidant aussi, c'est ça. Notre victoire face au cancer, ça a été d'avoir vécu ça ensemble. En fait, c'était elle la grande malade, c'était pas moi, en vérité. C'est ça. C'est, c'est ça qui t'a guéri? Certainement. Sans aucun doute, même. Oui.